Hello, lovely people, and welcome to La Délice de Masson. Before you start watching, please don't forget to like, share, and comment. Thanks and enjoy. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hello everyone, I hope you are all doing well today. Today we are cooking the black achu soup with cocoyam leaves. And they have to be the baby cocoyam leaves. Donc ça doit être les feuilles de taro qui ne sont pas encore détachées. Et aujourd'hui, donc, comme je disais tantôt, nous allons faire la sauce noire de taro. Donc, je dois d'abord faire bouillir mes feuilles de taro pour environ 20 minutes. So, I'm going to cook my baby cocoyam leaves for about 20 minutes and then I will blend it. If you are allergic to cocoyam leaves, add some kawang or baking soda. So, si vous êtes allergique aux feuilles de taro, comme moi, ça me démange souvent, j'ajoute un peu de kawang ou bien la... On appelle ça encore le bicarbonate. While I'm boiling the cocoyam leaf, I'm going to set the cow skin to a boil. Donc je commence à brûler. Ça c'est la peau de bœuf. Et puis ça c'est la poule. This is the village hen. So it's going to take time to cook. That's why I'm going to start cooking now. And this is the stock fish where I dipped the fish earlier. Donc c'est dans cette eau que j'ai trempé cette cellule fumée là. That's the catfish. But use any protein of your choice. Donc, utilisez tout ce que vous voulez pour faire votre sauce. If you don't like the pepper, feel free to cook it without any pepper. Si vous n'aimez pas le piment, n'y ajoutez pas. Donc, j'ajoute comme ça le sel dans ma viande. Maggi cube is optional. Le cube est optionnel. Si vous ne consommez pas le cube, n'y ajoutez pas. This is achu spicy, which is optional, but I like to add some. Donc, ça, c'est les condiments de la sauce de taro. C'est optionnel, mais j'aime ajouter un peu. So I'm just going to set the spices to the side. Donc je vais mettre ça de côté. Et puis je commence à nettoyer le poisson. It's optional. You don't have to clean your fish like me, but I like to remove the bones, to take the bones out of my fish. Donc ce que je fais maintenant là, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. It's been 20 minutes of cooking my cocoa leaves. Donc c'est environ 20 minutes que je suis en train de cuire mes feuilles de taro. Vous voyez que c'est bien mou, mais ce n'est vraiment pas cuit. So it's not really cooked. I'm going to cook it again in a minute, but I need to blend it first. Donc je dois d'abord écraser ça. So I'm going to blend the whole thing. Je vais tout écraser. And then I'm going to pour the whole thing here. The quantity of water depends on how thick you want your sauce to be. Donc la quantité d'eau dépend de comment est-ce que vous voulez que votre sauce pèse. Et cette sauce que vous voyez ici maintenant, là, ça sera cuit dans environ 35 à 45 minutes. So my sauce will be ready in about 35 to 45 minutes. Just checking my pot, which is beautifully boiling. Donc, je suis en train de regarder ma marmite et vous voyez que tout se passe à merveille. Oh, wow. This sauce is just looking good. Donc, vous voyez comment ça pèse. You see how it's becoming thick? So, this sauce will be ready in about 10 minutes. Sorry. Donc, la sauce sera cuite dans environ 10 minutes. J'ajoute donc les condiments maintenant. J'ajoute les condiments. Et puis j'ajoute le poisson. And from now, if you don't want it to be really thick, you can add more water. But this is the texture that I'm going for. Donc si vous voulez que ce soit un peu plus léger que ça, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Mais moi, ça c'est la texture que je veux. Et puis je goûte. Always test your sauce. Everything is perfect in this sauce. There is nothing I need to adjust. Donc tout va bien dedans. Je vais laisser ça bouillir encore pour 10 minutes et puis ma sauce sera prête. I'm going to let it boil again for another 10 minutes and my sauce will be ready. Oh my goodness. This sauce is a tasty sauce. So at this point, my sauce is ready. Look at the texture. Regardez la texture de ma sauce. Donc ça c'est la sauce de taro noir avec les feuilles de taro. So this is black achu soup with cocoyam leaves. So thank you guys for watching. I hope you try and you like it.
Merci les amis de regarder la vidéo. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous allez aussi essayer et aimer la sauce comme moi. Merci de rejoindre les délices de Massa. So thank you so much for joining les délices de Massa. Please invite your friend to join les délices de Massa. Pardon, invitez vos amis à rejoindre les délices de Massa et partagez les vidéos avec les amis. Please share the videos with your families and friends. That way they will discover the tastiest and delicious Massa recipes. Donc ils vont découvrir comme ça mes recettes délicieuses et saines. If you want to see how I process the achou, check in the comment section. Donc si vous voulez voir comment j'ai pilé le taro avec le pistache, regardez dans les commentaires, je vais mettre le lien là-bas pour vous. Same thing for egusi pudding. So just check in the comment section to see how I cook the achou and egusi pudding. Vous êtes tous invités les amis. So you are all invited, friends. So this is the perfect achou soup for those who don't eat palm oil. Ça c'est une meilleure sauce de taro pour ceux-là qui ne mangent pas l'huile de palme. Donc vous pouvez faire ça. Alright, merci à tous. On se voit la prochaine. So thank you guys. See you in my next one, okay? Bye.